Salut à tous les cartooners. Après ma vidéo sur Bass Cup qui a fait plus de 1000 vues, d'ailleurs, je vous remercie, beaucoup de gens m'ont demandé de faire une vidéo sur Sally Bollywood. Et vous savez quoi? Bah votre vœu est exaucé. Ah, je m'en rappelle, je regardais cette série sur France 3 et je kiffe ce générique. Écoutez-moi cette beauté. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! 5 choses à savoir, j'ai dit 5 choses à savoir. 5 choses à savoir, j'ai dit 5 choses à savoir. 5 choses à savoir. 5 choses à savoir. Sally, une jeune indienne de 12 ans, et son meilleur ami Dewey résolvent des enquêtes au sein de leur agence de détectives. Le SBI, Sally Bollywood Investigation. Sally Bollywood est la première série policière pour enfants inspirée par le cinéma indien. Chaque épisode est d'ailleurs ponctué de danse et de chants. La série est produite par Téléimage Productions. Ils ont aussi produit des séries comme Atomic Betty, Foot de rue, Bass Cup, Norman Normal, etc. La chanson du générique intitulée Détective sans peur est chantée par Nadia. C'est une chanteuse pop qui faisait grave du succès entre 2004 et 2010. Avec des sons comme... Ou encore... Ah là là, les bons souvenirs. Franchement, la musique française, c'était cool avant. J'ai fait une vidéo à l'ancienne où je parle de cette chanteuse et d'autres artistes. La vidéo va s'afficher juste en haut. Sally Bollywood interprétée par Philly Keïta. C'est celle qui fait la voix de Clover dans Totally Spies. J'aime beaucoup sa voix, on sent vraiment son application dans tous les doublages qu'elle a fait. D'ailleurs, il y a une interview où elle parle de son doublage pour Clover. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Sally a fait plusieurs apparitions dans Bass Cup. Elle est une star de cinéma et une joueuse de basket. D'ailleurs, son ami Dewey aura un chara-design totalement différent de celui de la série d'origine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est ton personnage préféré de la série. Je t'invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'oublie pas de faire un tour sur mon YouTube, le lien est en description. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.